Qui est Gérard Giorgetti? Cet homme né en 1962 à Marseille dans le quartier du Panier et qui a passé la moitié de sa vie en prison. Avant d'évoquer le meurtre de José Vicente Garcia, la Cour s'est penchée aujourd'hui sur la personnalité de l'accusé. Jean-Claude Vignoli, président du foyer à Vratelan de Sabastia, est venu témoigner. L'accusé lui a été recommandé par l'évêque d'Ajaccio, Monseigneur Olivier de Germay. Gérard Giorgetti lui avait fait part de sa conversion. L'expérience que j'ai du temps où il travaillait, c'est celle de quelqu'un qui était serviable, gentil, voilà. Certains, certes, ont vu une part d'ombre en lui, mais moi, je ne l'ai pas vu. Alors, peut-être, n'ai-je pas su faire preuve de discernement, mais moi, je n'ai pas vu cette part d'ombre. J'ai vu quelqu'un d'extrêmement sympathique, spontané, et quand on s'est rencontrés pour la première fois, le courant est très vite passé entre nous, voilà. Mais c'est une toute autre description qu'ont livré les experts psychologues et psychiatres entendus par visioconférence. L'accusé est responsable de ses actes et ne souffre d'aucune maladie mentale. La partie civile retient qu'il est présenté comme antisocial, intolérant aux frustrations, peu accessible à l'empathie et manipulateur. Aujourd'hui, nous avons entendu deux experts, un psychologue et un psychiatre. Les deux experts ont le même constat. Monsieur Giorgetti utilise son auditoire, modifie ses versions en fonction de son auditoire. Il a clairement un côté manipulateur et ont tout centré sur lui-même. Les faits ont commencé à être abordés en début de soirée avec le témoignage des gendarmes enquêteurs. 57 ans, de taille moyenne, les cheveux gris, un fort accent marseillais, Gérard Giorgetti est un habitué des prétoires. Lorsque la présidente égrène les 9 condamnations ayant émaillé son parcours criminel, l'accusé s'agace. C'était au siècle dernier, j'ai acquitté ma dette à la société, maintenant je voudrais que l'on parle du meurtre de mon ami. Outré, les parties civiles manifestent leur désapprobation.